Bonjour, Benjamin pour le groupe de Montauban, éclaireur unioniste. Je vais vous apprendre aujourd'hui comment rouler un foulard et faire le nœud qui se dit carré. Alors, le foulard de Montauban, juste une précision, c'est un bleu et blanc. Et voilà, nous sommes l'unité Phoenix, donc c'est notre collier d'eau qu'on a autour de nous. Donc, c'est pas mal d'être à deux pour bien le rouler. Donc, je vais demander à Anaïs de mettre le bout du foulard dans sa bouche, c'est son foulard, et voilà, de tendre les bras assez tendus, comme ça. Et je vais commencer à rouler le foulard. Oups. Eh, il est parti. Il est parti. Ça arrive, il n'y a pas aucun. Donc voilà, Anaïs. Et moi, je vais la rouler petit à petit. Vous voyez, je roule vers le haut. Je roule vers le haut, je roule vers le haut, je roule vers le haut. Voilà. Je roule vers le haut. Hop. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, Anaïs peut tout lâcher. Elle lâche tout. Et là, le truc, c'est qu'il faut faire comme ceci. Regardez, je fais un mouvement comme ça vers le bas. Et là, ça le roule bien. Vous avez vu le côté où je l'ai fait et pas l'autre. Hop. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et vous voyez, il se roule très bien. Donc, on finit de le rouler en faisant ce mouvement-là. Une fois que j'ai fait ça, je vais enlever mon foulard comme ça sera plus visible. Tiens, Anaïs, je vais vous apprendre le nœud carré. Le nœud carré, c'est pas mal de le mettre autour de sa tête. C'est plus facile à faire une fois autour de sa tête. Donc, c'est une petite histoire qu'on peut se rappeler. Il y a ça, je plie en deux. Et ça, on va estimer que c'est un arbre. Il y a sa branche d'arbre là. Donc ça, c'est l'arbre avec sa branche. Ça, c'est le serpent. Donc, la petite histoire veut que le serpent passe devant la branche, derrière le tronc d'arbre, la branche se casse, et le serpent passe devant la branche et dans le trou de l'arbre. Hop, et on serre petit à petit et ça fait un nœud carré. Je vais vous le remontrer de près si ça vous dit. Je vais le refaire rapidement. Donc, je crée l'arbre en pliant en deux. Le serpent passe devant la branche, donc comme ceci. Derrière l'arbre, donc le serpent passe derrière l'arbre, la branche se casse, donc ce fil-là passe ici, maintenant, et le serpent passe devant la branche cassée et dans le trou qui est formé ici. Hop. Et voilà un nœud qui se veut carré. Il s'appelle carré parce que regardez, en plus il est juste celui-là, il est blanc, blanc, bleu, bleu. Voilà. À bientôt!